Eh bien, c'est des mesures qu'on doit évidemment appliquer, des mesures d'urgence qui ne font évidemment pas plaisir, mais que nous sommes dans l'obligation de faire respecter. Je parle notamment de la disposition des écoles pour pouvoir à un moment donné aussi prémunir nos enfants, nos instituteurs, notre personnel éducatif, et puis la fermeture des cafés, des restaurants que nous devons faire appliquer. Alors il va y avoir une ouverture aujourd'hui d'un magasin de votre commune, tout le monde en parlait, vous allez y aller? Je vais y passer parce que je pense qu'il faut évidemment soutenir l'économie et qui plus est l'économie locale qui souffre pour le moment, raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de pouvoir prévoir des mesures de compensation pour pouvoir soutenir cette économie locale qui va avoir beaucoup de difficultés dans les semaines qui viennent. Alors la question que se pose, puisque c'est sur votre commune, avec l'OTAN, les relations sont, vous êtes tenu au courant? Tenu au courant, on a des informations au compte-gouttes qui nous sont délivrées, mais à ce stade-ci, il n'y a pas de raison de s'alarmer à ce niveau-là en tout cas.